première assistante réalisatrice sur ce projet. Moi c'est Eloi, je suis le deuxième assistant réalisateur sur ce projet. Bonjour, je suis Théophile Baquet. Je suis assistant général sur ce tournage. Moi je m'appelle Alissa, j'ai 25 ans et sur le tournage je suis la script et aussi assistante de production. Script, quand on est sur le tournage, c'est veiller à ce que le film respecte une certaine continuité au niveau des raccords, du temps, de la lumière, tout prendre en note, tout chronométrer. J'étais un peu le bras droit de Coco. Veiller à ce que tout le monde, ce qui est toujours une bonne cohésion d'équipe, on ne parte pas trop en vrille parce que souvent on peut se mettre à déconner, etc. et perdre le rythme, gérer les imprévus quand il va se mettre à pleuvoir. Dans mon cas, c'est parce que j'avais déjà bossé avec Colin sur un de ses précédents projets et comme elle m'avait dit qu'elle faisait son long métrage, je lui ai proposé mon aide. Elle m'a dit ouais, carrément. J'avais déjà rencontré Colin en fait par le biais du coup de mon frère Shane qui joue Sacha dans le film, qui avait tourné sur un court métrage de Colin. Et ensuite, en fait, Colin est venue nous recontacter pour nous parler de son projet de long métrage. Et du coup, on était complètement intéressés pour proposer notre aide. Moi, c'est grâce à Alissa, juste ici. Camille a une annonce sur Facebook en fait, disant que si des personnes motivées voulaient bosser sur un long métrage, il fallait la contacter, c'est ce que j'ai fait. Elle m'a mis en relation avec Coco. On s'est vu plusieurs fois, puis ça a super bien accroché. Voilà, puis au final, je me suis retrouvée à être la première assistante réalisatrice. Comment je suis arrivé là-dessus? Alors moi je suis arrivé sur le tournage parce que bah du coup je suis frère de Théophile. Ouais non mais avant ça, à la base je suis photographe de plateau, exactement. Moi j'aimais bien donner coup de main ici et là, donc je pense qu'on a bien aimé, vu qu'on m'a demandé ensuite de devenir deuxième assistant pour aider Aurélie. Alors moi du coup tout m'a marqué. Sur ce tournage il y a eu plusieurs sessions où du coup chaque session a ses moments. Ces moments marquants, ces galères, et sa pluie. Neige, grêle. Oui, on a eu la neige. Soleil, on a eu tout. Orage, vent. Qu'est-ce qu'on a pas eu? On a eu orage. Un matin, Aurélie n'était absolument pas dans son état et j'ai dû reprendre son rôle de premier assistant sur la matinée, je crois. Sur la matinée. S'il y a bien un truc qui m'a marqué, ça a dû être cette journée-là. Moi, il y a un truc que j'aimerais ressortir, c'est comme quand on a fait l'anniversaire de Colin. Au milieu du tournage, alors c'était le jour, c'est un jour de tournage, il faut qu'on arrive à lui amener le gâteau pendant qu'on tourne. C'était super chouette d'organiser ça. Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, tout le monde était à 100%, et ça va vraiment se ressentir dans le film. On s'est toujours tous respectés, et sachant qu'on s'est pas mal débrouillé sur plein de choses, on rencontrait pas mal de galères. Bah t'avais pas envie de t'arrêter en fait. Je pense que c'est une expérience, on n'en a pas beaucoup comme ça. J'espère qu'il y aura plein d'autres trucs après, j'espère que ça va marcher à mort.